Oh, c'est... Oh non! Alors par contre, si jamais il réapparaît à 60 km du Changelin, je ne sais pas où. Oh non, hein. Changement des us, imposer la guerre. Oh oui! Privilégié, taux de reconstitution des victimes, capacité de recrutement local, rang de recruté, plus 5 pour les cultistes. Moi je veux les changements des us, imposer la guerre, ça va être très bien. Ouvrir les portes, bof. Lever le voile, bof. Traquer l'armée, bof. Imposer la paix. Oui. Change is progress. Alors surtout, on ne va pas chez Karl. On va chez Drisha. Let's play some tricks. On détruit tout. Voilà, faut faire de la place pour mon futur vassal. Et comment ça va avec Karl 166? Il est même pas... Ah si, il est quand même un peu content que j'attaque Drisha, hein, même s'il est pas en guerre contre. Hein, il est content. Donc on va continuer, on va annihiler Drisha. Ça s'améliore quand même gentiment, quoi. Mon cher Karl. On en est tellement loin. Mais oui, mais il y a quoi? Oh là là. Mais c'était il y a si longtemps. Ah oui, mais il y a moins 100 d'aversion. Au secours. Yes. Mais j'ai pas encore tous mes bâtiments chez lui. Hein, et qui améliorent nos relations aussi. Chaos incarnate. Drisha, c'est le bois du griffon. Ok, j'ai terminé mon petit tour par là. C'est quoi ça? C'est ah oui, on peut avoir une faille. Servant of the Wind Lord. Alors oui, toi t'es là, mais Karl serait-il en guerre contre Vlad? Non, mais ils s'entendent pas du tout. Ah ouais, alors il y a les mains sanglantes. Speak. I will hear you now. The great soul and the great green prophet. Ah, encore un tour. En guerre contre les mains sanglantes. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui! Voilà ce qu'on va faire. Bon, par là, on n'a pas trop de tracas à se faire. On va aller directement chez notre ami le vampire et lui casser la gueule. J'espère que j'ai pas traité avec lui. Je n'en ai pas. Si je proposais à Karl, Karl, tu veux hein? Voilà, regarde. Qu'est-ce que t'en penses? Oh. Hein? Mais ça a zéro effet! Effet zéro, quoi! Pourquoi il me déteste? Il me hait! Bon, je vais lui filer un coup de main contre l'autre, là. Plus les bâtiments. J'aimerais bien que ça s'étende un peu, les cultes, hein, quand même. Ouais. J'aimerais quand même beaucoup que ça s'étende. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Il faudrait que je l'entraîne... Oh,
Oh, attendez, on va commencer à le retourner contre son propre camp. Alors, l'ordre doré d'un côté. S'il y a l'ordre doré, il y a forcément... Il est où ? L'ordre doré, je suis en guerre contre eux. C'est pas une question d'être en guerre ou pas en guerre. Comment ça, il est pas là, Karl ? Ou alors, je l'ai pas vu ? Hein ? Ah, parce qu'ils sont en alliance. Faut d'abord rompre l'alliance. Je n'ai pas encore cette technologie. Alors. Par contre... Je crois pas qu'ils soient en guerre contre machin. Boum boum boum, qu'ils soient en alliance. Rakeland, putain, c'est. J'ai... Ah, 8700, mais c'est cher! J'ai 6500, cela dit. J'en produis combien par tour? 220. Oh, faudrait accélérer un peu la prod là. On peut pas accélérer la prod en ultiant là! Even the law master could not. Ah oui, il y avait ça qui était prêt. La colonie est pillée une fois la construction du bâtiment terminée. Ah oui, bah vas-y. Hein. Voilà, faut augmenter la prod de livres là. De grimoire. 12 par tour. 2% de chance d'étendre. Ouais. Non, pas ça. Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça surtout. C'est marrant que j'arrive à tellement bien m'entendre avec les elfes sans être... Quoi ? Mais ils m'ont tous déclaré la guerre ! Mais pourquoi ils me détestent tous ? Oh la vache, mais les... Ah bon ? La version moins 100, mais vous abusez. Hein. Ça va aller mieux avec ça. Améliore les relations diplomatiques au fil du temps. Mais c'est quand vous voulez, hein. C'est vraiment, vraiment quand vous voulez, hein. De récents événements impliquant et Athènes, 97. Bon, donc ça monte quand même. Ça monte quand même. Petit à petit. Ta-ta-ta. Mais c'est vraiment lent. Enfin, en même temps, j'ai pas encore assez de ces bâtiments-là, en réalité. Ça, c'est oui. Partout où j'ai ce genre de truc, je veux la production de grimoire. Et siphonner les ressources. Bon là ça devrait pas poser trop de problèmes. Ah si, c'est solide ça. Ouais, ah, y a de tout hein. Je pense, allez, ça va aller. Allez, je vais mettre un culte trompeur ici. Voilà, histoire de pouvoir me planquer. Ça y est, il est passé niveau 20. Sauvé. Faut absolument qu'il tape un peu plus fort, hein, lui, parce qu'il s'était un petit peu étrange contre le dragon tout à l'heure. Ouais, et comme ça, je peux faire encore plus de bâtiments comme ça. Pas que tu viennes polluer leur belle forêt en y marchant du pied. Qui ça? Pourquoi Valkyal vient ici?
Qu'est-ce qu'elle veut, Valkia? Aranessa, tiens, pacte de non-agression. Je ne signe avec personne. Je suis un esprit libre, moi, madame. J'attaquais ton ennemi! Ouais, ouais, hein. Il y a quoi comme sort, lui? Ah, pas grand chose, juste la main de plomb. Bon, le mutalite, il sèche ce qu'il faut comme ligne d'infanterie, y a pas de problème. Faut juste le protéger des arquebusiers. Ce qui est embêtant, c'est les batteries tonnerres de feu, mais c'est gérable! Après, il y a très peu de magie que je vais pouvoir utiliser. Je vais spammer la main de plomb, ce qui est toujours pas mal. Mais bon. Ah. Les renforts arrivent dans mon dos et sont pas ultra nombreux. Sachant qu'il y a 3 batteries tonnerres de feu en face. Non, faut que je les rush. Tristesse que ce soit pas l'armée du changelin. Ah ouais. Ah ouais ouais, les batteries tonnerres de feu là, elles vont quand même être contentes. Hein. Tenez, vous serez le groupe d'assaut sacrifiable. Ouais. Quand même ça, hein. Ça va être bien aussi, ça. Curé! Tout au même endroit, par contre, ça fait plaisir. Faut au moins qu'ils arrêtent de tirer. Allez, venez vous placer comme ça. Vous trois, vous allez par là. Il faudrait qu'ils fassent le tour. Ok, ça y est, les hurleurs arrivent, mais ça va prendre un peu de temps, c'est un peu le problème. Ok, les chevaliers du chaos peuvent atteindre les mortiers, il y a moyen. Allez, viser les mortiers. Ils vont se faire beaucoup trop cibler, eux. Ça y est, il l'a mis. Ok, vous contournez. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien. Ok, les tireurs sont en train de se faire neutraliser. Il va falloir sortir de là avec les hurleurs, quand même. Hein. Ok, les renforts arrivent. Les horreurs roses arrivent au contact des arbalétriers. Les chevaliers de Migriffon, par contre, qu'est-ce qu'ils vont être chiants. Faudrait que les hurleurs traquent un peu plus les cavaliers, mais l'important, c'est surtout que les tireurs soient désactivés pour l'instant.
trop important. Mais juste après, faudra que je les récupère pour justement défoncer les demi-griffons. Ok, ça arrive, ça va, c'est des renforts encore tranquilles. Bon là, je pense qu'on peut peut-être commencer à... Allez, avancez, avancez, avancez. Évidemment. Désengager, c'est pas si simple. Ok, venez là. Va vraiment falloir charger. Ah, y a une unité qui n'arrivera jamais à désengager. Hein. Ok, vous faites bloc parce qu'il y a beaucoup qui arrivent. Oh, il y a beaucoup qui arrivent. Voilà. Avec le debuff en plus. Ok, les guerriers du chaos, vous faites bloc. Ça me paraît bien. Ah, parfait. Ah, la troisième unité a réussi à décrocher quand même. Ok, vous reculez. Ok, ça c'est parfait, vous les lâchez pas. Oh, le petit, là, croquez-le! Qu'est-ce qu'il tire, là? Guerrier arbalète. Ok, on peut faire ça, sinon le Mutalit, il va prendre trop cher. Oh, bah tiens, le Mutalit, il va aller avec, en fait. Non, il est à pied, lui. Ok, les guerriers du chaos y tiennent. Les chevaliers du chaos, ça tient aussi, mais c'est juste. Merde, il a plus de barrière, lui. Va falloir en finir vite avec les tireurs et puis faire intervenir le Mutalit ici. Allez! Ah mais il y a lui aussi, sale bête. Ok, il arrive dans le truc. Les escorteurs à lance-grenade, ils font super mal. Je pense pas pouvoir les attraper avec des chevaliers du chaos. Hein. J'en doute. Bah si. Ok, eux ils sont bien mis.
C'est bien que je déclenche la tempête de feu là. Ok, il s'en sort. On va laisser sa barrière se reformer. Non, pas ça. Mutalit! Et merde. Ok, sors de là. Oh, ça devient juste. Ok, lui il est sur les arbas, ça c'est bon. Mais sors de là. Ok, la barrière se refait. Ouh, les chevaliers du chaos qui sont complètement pris. Ok, barrière refaite. Non, c'est bon, sortez de là. Par pitié, tuez-le! Ça y est. Je l'ai. Un petit peu tard, cela dit. Attendez. Et de bouffer le mage là pour voir. Crachias. Winds of magic, heed my command. Ouais, je pourrais peut-être attendre que ça vienne sur eux. Oh, le Mutalit, là, il s'est pas encore trop fait toucher, hein. Oh, ouais. Non! Tenez! Ouais, ils vont tous se barrer. Ils s'en prennent un petit peu, mais... Ah, la déception! Et il fait plus... Ah si, il y a toujours son dégât qui s'applique. La barrière fuit! Ah merde, ils vont sortir. La barrière! Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se prend quoi là? Ah ça y est, il récupère. Non! Oh, le moral qui a chu. Dommage. Merci Doc McCabe pour les 19 mois. Dommage. Ouah, les joueurs d'épée qui ont meulé. Ouais, ils se sont fait plaisir dans les horreurs roses. Et bien sûr, oh, le Mutalit qui a quand même largement fait le taf. Voilà, les Chevaliers du Chaos aussi se sont tellement fait plaisir.
J'aurais fait mieux, mais je n'en doute pas, Mouk Mouk, mais... tant que tu ne l'as pas écrit dans un commentaire YouTube, j'en ai aucune certitude, en fait. Par contre, si tu le mets dans un commentaire YouTube, c'est imbloquable. Alors là, là j'aurai la certitude absolue que t'es le meilleur joueur de la Terre. Mais il m'emmerde, lui! Comment est-ce qu'il se fait capter à tous les tours comme ça? Enfin, il se fait même pas capter, c'est juste que j'ai des... Mais ça me casse mon recrutement! Yeah. Mort au combat. Tristesse. Demon Prince. Oh, qui c'est qui venait comme ça gratuitement? Ah, oh, c'est bien. On est de retour en positif, cela dit. Lui devient quand même assez sérieux. Oui, bon, on va vraiment mettre ça. Qu'est-ce qui... Mais... Tu vas où? Benefits chaos. Mortal folly. Ah mais oui, c'est toujours considéré comme... Il veut faire le grand tour par les montagnes et puis revenir par là... A ruinous triumph. Tiens, si je peux faire un truc pour les grimoires. Schwarzaffen. Idem. Là, il n'y en a pas non plus. Faut que je les fasse absolument partout. Ah. Le Moat. Qui aurait cru que ce serait l'endroit que je choisirais pour recruter mes troupes les plus redoutables? C'est quoi ça? Vous voulez retourner 6% de chance d'étendre le culte. Mais il n'y a pas grand chose à étendre ici. Beaucoup a déjà été étendu en réalité. C'est quoi, vas-y, ça va être ma base opérationnelle pour recruter les pires troupes du monde. Ça lui plaît bien. Relation plus 10 avec les factions de Tsinch, tatata. Karl. Karl. Est-ce qu'on peut parler, Karl? Not possible. Karl! T'es buté un petit peu, hein. Ok. On en est à quoi là? 6800. Je tourne à plus 300. Ça commence à être sympathique. Ouais. Notre ami le changelin, il est là. Il faut que j'aille trouver Drisha. En premier lieu. Parce que ça fait plaisir à Karl. C'est vrai qu'il va falloir mettre des aurores roses alors pour profiter des scripts bleus dans l'armée du changelin. Oh, la caravane. Oui, on va devoir envoyer la négociation tournepine. Drisha, elle a encore quelques cités. Si je les rase, ça va faire plaisir à Karl. Mais ce n'est qu'un premier pas. Tous les bâtiments d'aide vont être importants. Imposer la paix! Ah non, mais non, c'est pas celui-là que je veux. C'est supprimer le... Voilà la prédiction, voilà la tromperie. Lever le voile, ouvrir les portes. Voilà! Rompre l'alliance. Iridescent madness. I must have it. Oui, il en est, mon truc. Deux tours. Mais lui, il me rend fou, hein. Peu importe où je le mets, il se fait capter, hein.
Est-ce qu'à un moment donné, il va réussir à passer 4 tours et qu'on lui foute la paix? Ah, c'est vrai que je peux avoir des ducs du changement maintenant. Ouais, mais... Oui, mais enfin, voilà. Moi, je veux bien faire moins d'armées, mais... Oh, c'est vrai qu'il y a un petit duc du changement pour le plaisir. Pour le côté un peu festif. On va avoir quoi comme héros? Rien! Alors, le mode, justement. Pff, des horreurs, ouais. Ah, c'est vrai que j'ai pas encore du tout été chevalier du chaos et broyeur d'âme. Petit broyeur d'âme. Allons-y pour ça. Et ici, je veux... les chances d'étendre le truc. Le mode, je sais jamais quoi faire de cette ville. Bah ouais, mais quand j'ai pas besoin de la... Merde, j'ai pas changé sa feuille de route! Quand on n'a pas besoin de gérer la ville et qu'elle est gérée pour nous, c'est beaucoup plus pratique. Merci à Deathraptor pour les 39 mois. Les Enslavers sont-ils canons dans Warhammer Fantasy? Les Enslavers, c'est quoi ça? Ben, de toute façon, dans le jeu, il n'y a rien qui ne l'est pas. Il n'y a rien qui ne le soit pas canon. Parce que tout est automatiquement validé par Games, donc... Il n'y a pas de contenu qui ne le soit pas, quoi. Ok, ok. Parfait. Là, on en a encore. Ah, ça va produire, hein, là. Et un grade, j'ai pas non plus. Oh, on sera pas mal. Averheim, j'ai pas... ah oui. C'est pas chez Karl, ça. Feildorf. Ok. J'en ai 7000. Et j'ai ma mission pour les elfes noirs qui est en train de se faire aussi petit à petit. Bon, ça par contre, Drisha, c'est le stock de bois. Hein. Merci un tempo pour les 28 mois. Toujours autant de plaisir, merci beaucoup. Ok, lui il est en territoire ami. Boum boum boum. Deceiver. Ah merde, il n'y a pas encore le conduit arcanique, idiot. Passé trop vite. Et il va m'en falloir des trucs, hein. Des grimoires pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie. I have risen. Combien il me reste pour les elfes? J'en suis à 9. Très bien. Ça vient d'où les deux canons, ton arme principale? Tu veux dire les chars? C'est une mission qu'on peut remplir avec le changelin qui donne accès à ce recrutement-là.
C'est une des missions de l'Empire, dans un des complots dans l'Empire, mais je ne sais plus lequel. Faut fouiller un peu les complots vieux monde et trouver le truc. Embuscade découverte, ça on s'en fiche. Ah, il est apparu où lui? À côté du changelin, c'est bon. Culte trompeur à Karaknorn. Impeccable. Toi en plus t'es en marche forcée, c'est parfait. Oh, il va être content Karl avec tout ça. Il va être heureux, il va être bien. Il est déjà en train de nous remercier. Duc de changement de renom, parfait. Change vision plus 15% pour les scripts bleus. Oui, ah ça monte. Récents événements impliquant le Reichland. Ouais, mais moi je veux plus de choses, Karl. Pourquoi est-ce que ça ne s'étend pas là où j'ai envie que ça s'étende? Non, pas ça, le mot. Notre base avancée. Kurgenheim. Ah oui, je l'ai pas encore fait non plus. Bon, sinon, on claque un petit. Ah, je l'ai pas encore. Sinon, on claque un petit. Une petite attaque là. Ah oui, ça c'est pour les horreurs, mais j'ai pas du tout une armée avec des horreurs. Petite lance d'ambre. Ouais, je crois que je vais faire ça quand même. C'est... Ça va nous mettre un petit peu mal avec Karl, mais... Quoi? Ah bon? Karl, il va être un tout petit peu pas content. Parce que bon, j'attaque ses villes, mais après, avec les bâtiments qui arrivent plus vite, il va être heureux. Ah, c'est une cité majeure. Ok, d'accord, j'avais pas fait gaffe. Un misclic diplomatique. Non mais en fait je suis venu réparer la plomberie. Oh, c'est uniquement ça hein. J'essaye de rendre service. Mais non, c'est pas une cité fortifiée. C'est juste une cité élevée, mais il n'y a pas de mur. Toi tu vas là, bon bah là on va mettre tout le monde au même endroit vu que on peut avoir Festus. Voilà, ça va être très attention hein. J'espère que vous êtes prêts. Hop. Ah, il recule pas, tiens. Bien, Festus, tu vas de l'autre côté. Ah, ils ont ça maintenant. C'est marrant quand même leur mécanique, je trouve. C'est bien trouvé. Les sorts qui sont reroll à chaque fois. Rigolo. Mais par contre, vraiment. Hein. Rapide. Rapide. Oh, c'est pas possible.
Et une gueule, celui derrière aussi. Qu'est-ce qui... Ouais, oh ! Oh, mais c'est pas clair le dessous de ce truc. Comment que quoi ? Hein ? Oh ! Oh, vous imaginez, on retourne Flash McQueen, il y a ça en dessous ? Ah bah oui, comment c'est qu'il croit qu'on se nourrit exactement ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'humain dans notre film ? Ah ! Oh, je viens de briser des enfances ! Il y a ça en dessous. Et en même temps, ce serait une évolution des plus logiques. Car comment une voiture pourrait-elle devenir un prédateur mortel pour les êtres humains qu'en l'absorbant par le dessous? Le moindre entretien devient un petit nourrissage gratuit. Attendez, parce qu'il y a une bataille qui se déroule là. Ah, il m'a remis ça. Quel enfer. Il est vrai que j'ai ça. Festus, vas-y, fais ça. Rien de très intéressant là. Et là. Bon allez, vous autres, hop. Ouais, pas mal celle-là. Je vous mets la suite. De la très très grande stratégie une fois de plus. Là, j'ai pas accès à énormément de sorts, donc ça tourne beaucoup dans les trucs. Mais putain! L'une de ses bouches est forcément son anus. C'est en même temps scandaleux ce que tu dis, et en même temps c'est tellement vrai. Je ne peux pas te contredire. Merci Rocket Neck pour les le Prime. Bienvenue, merci Lugada. Merci pour les 47 mois. Culte symbiotique pour Karl. Alors, on va voir à quel point ça l'énerve. Hein. Action militaire, oui. The Changeling. Ah,
Réserve de puissance encore augmentée. Ben oui, mais moi, c'est surtout la récupération des vents de magie que j'aimerais beaucoup. Oh, y a la magie des nains du chaos, quoi. Chaos incarnate. Always scheming. N'a pas encore été repéré, lui, c'est un miracle. Coucou. Ça va, petite armée. Merci Nanarbis pour les 19 mois. Un plaisir de suivre le contenu. Des bisous. Merci beaucoup. Demon Prince. Boum 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 boum. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Lui, on va continuer à le buffer un peu, lui. Killing will be all the easier. On va essayer d'en faire une bonne petite machine à tuer. J'ai pas des trucs à les... C'est du cataclysme ? Oh bordel, c'est bien ça. Oh. On arrive vite au point de non-possibilité d'ajouter des compétences avec les scribes. Ouais, mais oh, lui, il va me supplier. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est en guerre contre Katep aussi. J'y arriverai jamais, hein. Bon, je me casse. C'est pas possible de recruter dans cette province. Y'a tout le monde qui passe par là, quoi. Ras-le-bol. Bah, on va continuer la mission pour les elfes noirs. Hein. Ah bah oui, c'était au mont Shroktak que j'allais à la base. Il est en train de prendre des dégâts, ça m'arrange pas. Voilà. Ça c'est bien. Alors, Boschafun. On pourra aussi faire ça. Ok, Kappelberg. Clac. Clac. Ça, c'est important aussi. Ah, conduit arcanique. Ah oui, du coup, ils ont pas le conduit arcanique, eux. Ah bon, ils ont des trucs bien aussi, hein. Magie primale. Ah ouais, magie des orques, des rois des tombes, la magie de Kate, des elfes noirs, de Kislev également. Oh, je veux celle des nains du chaos. Et alors l'autre qu'il faut qu'on déplace, hein, puisque bon, définitivement, ça ne fonctionnera jamais. Mais là aussi, tout le monde va passer, c'est parce que je suis proche de la rivière, c'est ça la merde. Vas-y, je me casse.
Là, il n'y a pas de culte à moi. Je vais aller par là. Seek out. On va avoir un sorcier du chaos, mais pas de pas d'horreur. Ah oui, c'est le bâtiment au niveau max qui permet ça. Mais on peut prendre un petit héros, hein. Permet les attaques enflammées, résistance au feu, réduction de perte de vigueur, bonus de charge. Ouais, vas-y. My magic is yours. Toi, tu vas là-bas. Ah oui, ça y est! Alors, j'ai une contre-offre à vous faire. Voilà, j'espère que vous êtes satisfait de cet échange diplomatique. Ah oui, 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 oui. Ici, il a signé un truc, il est content. Oh, vous savez, les orques, hein. Hein, rien les amuse, hein. Je suis en plein milieu du chemin là. Oh, 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 faut que je me trouve un petit coin. Oh, faut que je me trouve un petit coin tranquille. Oh, oh. Oh, et attends, 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 parce que lui aussi a des trucs à faire. Ouais, va falloir commencer à virer les trucs, même s'ils ont beaucoup d'XP, hein, mais bon. Déjà, on va mettre en place la, la division blindée. A schema needs henchmen. Ah, mais oui, j'avais pas pensé à ça. Je pourrais aussi... Ah mais non, elle est en alliance avec Karl, donc ça va quand même le faire chier. Mais c'est vrai que j'aurais pu m'amuser à me balader, à mettre des cultes partout chez Katharina, et puis après, balancer chez... Enfin, que les filets à Karl. Et hop. Merci, merci Requiem, part en live pour les 100 bits. Yuan Bo est pas très beau. Il est... bah pourtant, c'est le plus beau de, des beaux. Au final. J'aimerais bien mettre un max d'horreur pour voir ce que ça donne là-dedans. Faudrait les buffer à stock. Non, là pour l'instant, je vais attendre. Oui, je peux plus rien construire à Aldorf, j'ai eu peur. Pom pom pom, Nuln. On peut faire ça, on peut faire ça. C'est les nains qui avaient récupéré ça? Tiens, je te pique ta thune. Schwarzaffen, éventuellement, ça m'intéresse encore bien aussi. Hein. Oui, chevalier, bientôt. Bientôt, bientôt. Kappelberg, ok. Quand tu joues cette faction, t'as pas de ville à toi, mais tu construis chez les autres. C'est ça, c'est l'idée. Tu parasites, soit tu parasites des factions, soit tu vis en symbiose avec eux, c'est-à-dire que tu construis des bâtiments qui ne les affaiblissent pas. Mais c'est pas possible! Back away, back mais par pitié, away. Laissez-moi recruter une fois de temps en temps! Obsession.
Oh là là, se trouver un coin pour se remplir l'armée, mais au secours. Merci Draconis pour les 26 mois. Ah non, 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 non. Oh, l'XP, oui, tous les jours. Pandemonium is my name. Je vous en supplie, quoi, je voudrais pouvoir recruter. Chaque tour, il y a une armée qui leur marche dessus, quoi. Let us bring them change. Voilà. La symbiose avec Karl se met en route. Chaos incarnate. Le projet se développe. I am change. C'est marrant d'invoquer des Skaven. Unpredictable, unforeseen, unholy victory. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de rigolo? Ah, le pied de Gork! C'est vrai que pied de Gork, c'est marrant aussi, ça. Petit pied de Gork. On aurait la comète aussi, en vrai. Alors, idem, claque. Tous les bâtiments symbiotiques. Celui-là. Celui-là. Très bien. Oh, il tuant, il y aurait quand même un beau petit projet à faire aussi, hein, au bout d'un moment. Les vassaux du tuant, là. Voir à quel point... Je suis en train de bien m'entendre avec lui. Là, c'est chez les sœurs, ça je m'en fous. Ouais, monsieur, voilà. Ouais, il y a des bâtiments qui prennent un peu de temps à se construire. Les scribes, c'est dans le DLC ou c'est gratuit? Les scribes bleus, c'est dans le DLC. Gratuit, c'est Highcold. On va faire des cultes parasites chez, chez Malekith, tiens. Bah après, les cultes, le parasitisme, de toute façon, on est obligé de mélanger avec, avec l'autre. Autant on peut faire du 100% symbiose, autant on peut pas faire du 100% parasite. Pas avec ce système. En fait, ils auraient limite dû faire un autre système qu'avec les Skaven. C'est vrai que là, comme ils ont fait le même système que les Skaven, avec exactement le même système de détection... Eh ben, ça fait que du 100% parasite n'est pas possible. Il y aurait limite eu moyen d'avoir un truc plus... Enfin, un peu différent. Ah oui, non, par contre, je veux ce bâtiment-là, quoi. Ça m'intéresse pas, ça. Je veux quand même les grimoires, moi. Ah, mais ça les produit aussi. Ah mais donc je suis de nouveau bloqué dans les montagnes. Quelle bande de turbo relou. Bon, il est où l'autre? Ah là, il y a personne qui va venir m'embêter, hein. Là, je suis en dehors de toute route. Oui, mais attends, on va pas garder ça, hein. Attends, on va reformuler. Thank you.
Petit duc du changement. Ah, ce qui serait cool, c'est des cavaliers là. Ah oui, attends. Les chevaliers de la ruine qui sont toujours pas anti-large. Ça, ça me désole. Ça, ça me désespère. Pourquoi sont... Oh là là, 10 tours. 10 tours de recrutement, j'y crois à mort. J'y crois complètement. Sachez-le. Alors, de récents événements impliquant le Reikland. Ouais. Ça se détériore. Mais je crois que je vais arrêter là, Karl. Arrêtez de l'embêter maintenant. La symbiose donne un truc aux nations qui ont le bâtiment dedans. Oui, symbiose, en fait, les deux ont des avantages. Donc ça veut dire que c'est un bâtiment qui, moi, me donne des avantages, mais qui donne aussi des avantages à la faction qui possède la ville. Donc c'est symbiose, c'est win-win. Alors que parasitage, c'est moi qui prends un max de bonus, et la faction prend des malus. Allez, dis-moi qui t'a fait mal. Ok, mais Archaon, il est... Mais Archaon, il est si loin. Ça en fout, en fait. Les mains sanglantes. Oh, I'm the great green prophet. Speak your words. Je leur déclare la guerre. Karl va être content. Mais non, pas la fiabilité. J'avais rompu mon contrat juste avant, mon traité juste avant. C'est fait, ça. Pilotage des tanks à peur, c'est le type à côté de moi en bleu, il est bizarre. Oh, mais ça, ils vont vite s'y faire. Ah putain, c'est les 10 tours, c'est aussi avec la... Quand on rompt un pack de non-agression. Oh là là, mais je sais plus, moi. J'y joue plus à ce jeu, c'est fini. Quoi, ma fiabilité? Comment ça, elle est basse? Mais non, mais elle est pas basse. Oh là là, c'est une impression, une illusion d'optique. Hein. Vous y connaissez rien, de toute façon. Ah, mais il est là, Archaon. Eh, de toute façon, le temps que le truc se remet, ma fiabilité sera haute. C'est juste que j'ai 5 coups d'avance, vous n'êtes pas au courant. Est-ce que j'ai un traité avec lui? Non. Mais regarde, Karl! On va remettre le chaos dans le droit chemin. Regarde, Karl, t'es content? Traité, nanana. Bah, il est pas plus content que ça avec par rapport aux mains sanglantes. Et l'autre, comment ça se passe? The demonic host. Annihilate. C'est vrai que le blocage des villes n'en est pas un quand on a ça. Oh, il me voit pas venir en plus. Oh, ça y est! Ouais, mais attends, parce que là... Lame perfide, puissance des armes, plus 10 pour tout le monde. Et où change l'un, là? Attends, parce que moi, je veux bien, mais... Chaos incarnate.
magical adornments. Mais c'est vrai, il a que 55 d'armure, lui, il est tout nu. Change l'un, il a tout. Il est good. Alors en route pour la bataille. Ah bon? Ils vont avoir des renforts de ouf. À mon avis, ils vont avoir des renforts de ouf parce que bon, l'armée de base, elle est vraiment vraiment pas dingue. Obligatoirement y avoir des trucs qui arrivent de derrière à mon avis. Très très probablement. Pourquoi il y a plusieurs zones blanches? Rentrer dans l'art vite fait. C'est vrai qu'après tout. Les elfes noirs ne sont pas faits pour vivre dans l'océan, utilisons leurs propres bateaux contre eux. Mais attention aux renforts venus de la terre ferme. Ça marche. Intercepte un peu ça, toi. Oh, dites-moi qu'ils vont venir par là. La gueule, c'est vrai que c'est mignon aussi. D'autres elfes arrivent. Ah, ils arrivent de l'autre côté, évidemment. Oh, mais ils se font mais marcher dessus. Pas un petit... non. Oula. Ah mais qu'est-ce qu'il fout là-bas l'autre? Ouais, par contre je suis pas... pas 100% emballé là. Les noyés sont en vie et réclament vengeance contre leur cruel maître. Alors les noyés, c'était lesquels? Hein? Est-ce que vous foutez là, chevalier noir? Oui, mais foutez le camp. Bon allez, faites un petit blob. Voilà, Méduse va falloir aller la chercher aussi. Oh, sale bête.
Attention de pas vous cramer les miches. Voilà, très bien. Et la petite boule de feu pour achever. Ponk. Il a plus envie de jouer, lui. Allez, quoi, il est pas mort. L'estus. Oh, le soin. Pas mal, ça. Zbru. Et on enchaîne. Et quand même que j'aille neutraliser ces machins là. Je peux aussi faire ça, même si a priori ça suffira pas. Tibier de Gork. Ah écoutez, il y a des troupes que je vais devoir remplacer, hein. Ah oui, la giga... Merde, la giga régénération. J'ai pu. Ouais, ça fait mal, mais 3 sur 4, 3 sur 4, ouais. Oh, la méduse qui se fait plaisir sur mes trucs. Hein. Sur les scribes. Ah, c'est non, hein. Ah d'accord. Très bien. Ah oui, mais fumez là la méduse. Non, parce que là il est pas bien lui. Voilà. Attendez. Oh la vache. Je les ai vus qu'à la fin ceux-là. Oh, ils allaient se faire exploser sur les elfes noirs. Quel enfer. Je crois que la bataille a été un peu trop vite parce que l'armée est trop forte. Ils sont arrivés trop lentement, de toute façon les cadavres bouffis. Ah ben non, il n'y a pas de mort. Finalement. Victoire courte obtenue, réserve de puissance de vent de magie, plus 30 par tour pour toutes les armées. Ah ben tiens. Bretonnie a-t-elle Lorraine? Terre sombre et montagne des larmes. Eh. Ah, ou Katé. Une armée de cadavres bouffis. Ah oui. Sans entretien. Ah bon. Bah alors, il n'y en a aucun qui m'intéresse vraiment, vraiment. Une seule armée, bon. Vas-y, on va aller voir ce qui se passe là-bas. C'est bourré de Skaven ? Des vagues de morts-vivants boursouflés sortent des profondeurs de l'océan, convoitant les ports animés de la terre du grand froid. L'ingérence du changelin les fait traîner le reste de leur distendu. Leur reste distendu vers les portes de Nagaroth. Leurs esprits en décomposition ne pensant qu'au sang. Hmm.
Champ de vision de campagne plus 15%. Objet de sort noyé. Oh, corne du capitaine. Permet d'invoquer un... Ah oui! En fait, c'est pas que des cadavres bouffis! Pluralité prismatique, c'est les... Réduit le temps de repos moins 10 secondes quand ils jettent des sorts, ouais, c'est ça. Ouch. Il y a quoi lui? Cadavre bouffi et pas mal de Tsangor. Ouais, et 4 incendiaires à un broyeur d'âme. Bon, on va voir ce qu'il y a là. Ah, c'est le clan Rictus. Il en est où lui? Il a 8 colonies, il renforce 32, il est pas très fort. En guerre contre Grimgor et contre la Légion d'Asgore. Ouais. Ah bonsoir monsieur Cast. Comment ça va? Merci Valo pour les 3 mois d'ailleurs. Merci beaucoup. On va monsieur Cast. J'étais justement en train de parler de cette petite bataille Admech. Et de l'état exceptionnel de leur système de visée pour le moment. Tout à l'heure. Je sais ce que c'est de toucher sur 4+, maintenant. Ouais, c'est cool. Hein. Ah, mais je peux pas recruter avec cette armée. Ok, c'est vraiment un missile, quoi. Toucher une fois sur deux, quel plaisir. Quand ça va? Ah oui, puis alors là, j'avoue, en V9, il y avait tellement de moyens d'avoir des plus 1 qu'en fait, t'étais à plus 3, mais en fait, t'étais à plus 2, quoi. Voilà. Là, maintenant, c'est 4, hein. De temps en temps, 3. Quel enfer. Non, c'est fini. Mais c'est pas grave, tu verras. je vais bientôt avoir un petit renfort. Je pense que ça vous amusera. Petite magie qui se lève. Ah ouais, ils ont pris tout ça. Après avoir dépensé 7 points de compétence dans le groupe précédent. Alors vas-y, je prends magie Katel. La magie Skaven, ça peut être drôle. Quand même perdu une unité. Bah on va recruter une armée d'horreur rose pour les scribes bleus. Ça va être bien là. Armée de tir touche à 2+, connais pas. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est un truc de custodes ça. Pour les custodes hein, qui la ramènent. Ils peuvent pas s'en empêcher hein. Bah comment ça, vous tirez pas sur 2+ vous? L'important c'est d'essayer. Bah n'empêche que la game qu'on a fait avec Marmotte était bien équilibrée. Elle était cool. Bah parce que les troupes étaient... Il y avait de tout quoi. Oh il y a des unités de cultistes qui là qui sont si stylées dans le chaos. Oh là là. Trop cool. Il y en a une notamment avec une figue qui ressemble... Qui a un côté très Nazgûl comme ça. Vraiment trop belle.
Alors lui, il a fini sa mission du coup. On va faire une vidéo de la bataille. Non, pas celle-là. On a vraiment joué juste entre nous et... on n'a même quasiment pas pris d'image. Ah ! Il est là, lui. Salut, tonton. On a quasiment pas pris d'image de la bataille. Juste quelques-unes qu'on a partagées sur Twitter, mais vraiment vite fait. Mais là, on était vraiment en mode test, tranquille. Et de toute façon, j'attends le studio pour reprendre les vrais tournages. Colonie mise à sac, Lauterne. Oh, ça y est, 16 000 balles. Ah oui. Pas tant que ça, hein. L'artwork est trop stylé. Est-ce que la ville... Ah, ça la fait pas baisser d'un niveau. Les bâtiments se font juste amocher, mais elle est pas... Elle n'est pas diminuée. Ça coûte 1000. Ça coûte 100. Ah, d'accord. Donc on peut faire du pillage en boucle. Incroyable ça. On peut faire du pillage en boucle sans abîmer les villes qui sont dedans. Enfin, on les fait pas diminuer d'un niveau, donc c'est ok quoi. Eh ben. Eildorf, d'accord. Alors là, ça doit avoir augmenté correctement les grimoires. Ah oui, là on en génère 400 par tour, ça commence à être assez sérieux cette affaire. Chaos incarnate. Who serves change best? Monsieur Archaon, vous êtes à un endroit qui ne me convient guère. Ah merde, j'aurais dû l'attaquer avec la téléportation. Mais si je vais par là, ils ne me verront pas. Voilà, traquer l'armée, on va tout prendre. Hein. Lever le voile, ouvrir les portes. Bon, vas-y, on va prendre ça. J'ai les plus importants. On va pouvoir commencer. Ah, dis-moi combien ça coûte. L'Empire Reichland. Que tu pourrais par hasard. Oh mais le prix quoi, au secours. Bon avec plus 400 par tour, là j'ai à peine 10 000. Quel enfer. Ouais, 10 000 par tour. 400 par tour. On va bientôt monter à 500. Bon, allez. Assez cher, hein. Mais... Bon, après, c'est deux factions vraiment fortes en alliance avec qui je suis en guerre et tout. Forcément, c'est très cher. Mais moi, je veux les mettre en guerre l'un contre l'autre, en fait. Comme ça me permettrait d'attaquer Balthazar en ayant les faveurs de Karl. C'est parfait. Ici, on va venir s'implanter quelque part. C'est pas intéressant d'essayer de forcer la paix avec le Reichland. Non, à mon avis, ça marche pas, ça. Que moi-même, je puisse le faire, ça m'étonnerait beaucoup. Ah si ! Ah, je peux. Donc je peux. Il y a des trucs qu'on peut pas faire avec les factions. Par exemple, transférer une colonie à une faction en guerre et tout. Mais ça, bêtement. Ah d'accord, aussi simple que ça. Putain, je partais vraiment du principe qu'on peut pas, moi.
Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Bah oui, ça s'améliore, du coup, je suis plus en guerre contre lui. Et je commence à avoir beaucoup de bâtiments qui peuvent aider. Donc là, est-ce que je peux négocier ce genre de choses? Ça vaut quoi, ça? Je rejoins la guerre contre la Légion du Tertre. Non, tu veux rien? Ouais, faudra attendre, mais ça va arriver du coup. Ma fiabilité est moyenne, ouais, elle va remonter vite. Il y a Arcaon qui est là. Avec ses armées toutes pétées, quoi. Arcaon, sérieux? Ah. Tu ne fais pas partie de mes projets. Oh, mais il n'y a rien, il va se faire ouvrir en quatre. Il n'y a que dalle, toutes ses unités sont dans le mal absolu. J'ai rien pour le bloquer, moi, lui. Bon, j'espère que vous voyez bien Arcaon. Alors, tac, 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 tac. Voilà, il va taper ma... Ah non ! Il va où ? Toutes les deux secondes, c'est trop lent. Oh, j'ai le marteau, attention le ricochet. Ça n'a pas ricoché. Charge vitesse plus 28%. Constellation du dragon, oui. On voit le spectacle. Ah oui.
Ah, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il va survivre celui-là? Il avait des chevaliers du chaos de Slaanesh, des chevaliers du chaos de Tsinch, des chevaliers du chaos universel. Ah bah non, les lames ardentes. D'unité de renom. La campagne d'Archaon, elle doit quand même être marrante maintenant avec le panel d'unités qu'il peut faire. Il y a quand même beaucoup de combos à tester. Et c'est vrai qu'il y a des trucs rigolos à faire, même si la faction est overbroken aussi. Ah oui, Archaon, bien sûr. J'ai acquis sa forme. Mais il faut le faire en mode défi où on déclare la guerre à la terre entière. Unworkable. Absolutely not. Encore des grimoires, plus de grimoires. Corruption. Ok, merci Trisred pour les 3 mois. Ok, on a la gorge de Ragdo là-bas, éventuellement, pourquoi pas. Et forcer la paix, rompre l'alliance. Et... Ah oui, tiens. Ah ouais, il y en a qui peuvent être plus abordables. 12 000 pour la grande orthodoxie. Mais bon, après, il faut encore forcer la guerre, quoi. Une campagne collecte en ce moment avec son bonus de puissance pour chaque vassal, c'est abusément marrant. Ouais, il peut y avoir des campagnes rigolotes à faire avec ça. Mais alors, faut vraiment se mettre des objectifs perso, histoire de corser un peu la chose, sinon... C'est vraiment très 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 très... Ah ! Ah bah oui, mais maintenant, on est ensemble. Une armée de Karl qui se balade avec une incarnation élémentaire de la bête. Ah bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ah. Traité de paix, ben non, Karl va pas être content. Faudrait même que je l'attaque en réalité. Mais Archaon, avec tout ce qu'il a disponible, communauté, il y a... C'est vrai qu'il y a des trucs, poilants. Traquer l'armée, ok. Culte établi à Grünberg, parfait. Et à Talabheim, nice. Talabheim ici. Impeccable. Oh, j'ai plus de thunes! Incroyable! Oh, si je pouvais attaquer qui se lève. Ça s'améliore, mais pas tant que ça devrait. Ouais, ouais, mais les événements impliquant le Reikland, machin, on est qu'à 104 avec tous les bâtiments que j'ai, quoi. C'est abusé, enfin, quoique, ils sont pas encore tous construits. Oh, ça serait vraiment bien si je pouvais briser l'alliance avec quelqu'un et attaquer ce quelqu'un. Combien? 16 000.
J'en ai 10. Il y a 440 par tour. Ah ouais, sinon je peux encore attaquer Drisha. Ah oui, il y a plein de monde là-bas. Comme toi, la magie et le feu noir ici. The means to my schemes. Drisha est en guerre avec Karl. En guerre, non, mais par contre, ils s'entendent pas, donc Karl est plutôt positif quand j'attaque Drisha. Il réagit positivement, il est content. Et moi, ça me va. Les nains du chaos, pour l'instant, sont plutôt, ils m'ont plutôt à la bonne aussi. Ah, Grimgore par contre. Pas tout à fait la même mayonnaise. Ah, salut toi. Je me demande si Karl serait content si je le faisais aussi. Là, il est pas en guerre contre, mais à mon avis, comme il doit avoir de l'aversion contre eux, a priori, il doit le voir positivement aussi, ça. Là, faut que je me refasse les réserves de thunes, hein. Deceiver. Take time to plan our chips. Ok. Ouais, tribut de premier ordre, il est... I am everyone. Il n'est pas mécontent en tout cas. And no one. Chaos incarnate. Ah, toujours pas. Faut vraiment avoir tout. Who shall I beat? Il va y arriver. Il va y arriver, lui. Ça, c'est beau. Je peux pas forcer la guerre contre Drisha. Ça changerait pas grand chose puisque là déjà c'est il est content. Tant que Karl est heureux, moi ça me va. Hein. Pourquoi on veut le bonheur de Karl? Parce que je veux, je le veux dans mon équipe. Useful adornments. Je veux qu'on soit partenaire particulier, moi. Non mais ce serait marrant, c'est pour le fun. Je veux avoir Karl comme vassal et puis après partir à la conquête du monde avec lui. Et je suis sûr qu'il va devenir un giga rouleau compresseur. Ah, la Légion du Tertre a été détruite. La Légion du Tertre a été détruite. The deceit.
Bon, regardez, ça avance quand même, hein. Moins 119. Ah, là, il n'y a plus le truc sur les armées de Drisha. J'ai 11 000. Ah, on sera bientôt à plus 500 par tour. Oh quoi ? Bon, on va se garder ça pour la prochaine fois. Le mec il commence à se faire tard. Bon, YouTube, on fait ça la prochaine fois. Allez, à bientôt.